That's it. Okay. One, two. One, two, three. Je me souviens parce que c'était un truc, c'est une question qui a été souvent posée dans les articles que je lisais quand j'étais jeune. Et la plupart des grimpeurs, des grands grimpeurs de l'époque, ils disaient l'escalade m'a tout appris. Alors ça m'intriguait beaucoup parce que j'avais du mal à imaginer que l'escalade puisse m'apprendre tout. Donc en fait, je m'étais. La leçon de ce truc-là, c'est que j'étais vraiment persuadé qu'on peut atteindre une limite à un moment donné. Et en fait, j'étais surpris avec le temps de voir à quel point on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Avancer dans la musique, c'était justement les rencontres, c'était le fait d'être à plusieurs. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est là qu'il y a une espèce de magie qui se crée, c'est quand on est à plusieurs. Et c'est ça qui me motive des fois à prendre la guitare et puis à gratouiller tout seul. Mais je m'épuise un peu plus vite que s'il y a cette objectif d'être ensemble, parce que là il se crée quelque chose, une espèce de communication universelle
et quelque chose de beau, vraiment beau, quoi, fondamentalement beau. Ouais, c'est difficile à expliquer ça, mais c'est tout aussi intense en tout cas. Grimper, ça veut dire passer par-dessus une barrière, transgresser quelque chose. Donc déjà, c'est une expérience un peu sympa. Un des éléments centrales, c'est vraiment la peur, parce que quand on grimpe en tête, on a peur de tomber, et à raison. Oui, bad idea. On n'échappe pas, qu'on soit un humain ou même un animal, on a peur de tomber quand on est dans une situation où la hauteur de chute, c'est évident que ça va provoquer au moins des blessures, voire la mort. Ah. On sait de manière calculée que c'est pas ce qui va se passer, on va pas mourir. Et donc, on peut expérimenter cette situation complètement folle de dire bah, « j'ai peur de tomber parce que ça me donne l'impression que je vais mourir ». Et en fait, non. Et on a le droit à l'erreur et on peut recommencer. Comme j'ai énormément vécu de choses variées autour de l'escalade, après je me suis beaucoup intéressé aussi à la pédagogie des activités en général, notamment en ce qui concerne l'apprentissage et l'aspect gestuel qui reste pour moi vraiment une question vraiment centrale. Et j'ai passé pas mal d'années de ma vie à être dans ces questionnements-là, à essayer de trouver des solutions à des questions qui restent assez évasives. Par exemple, on ne peut pas trouver deux fois le même mouvement dans deux voies différentes. Ça se ressemble. On peut dire qu'il y a des familles de mouvements. Et donc, l'apprentissage, un apprentissage systématique est vraiment difficile à mettre en place. Come on. Okay. That was great. Yeah. Yep. Yep. You have two actually. Yeah. Yeah, that's it. Yeah. Can clip in. Okay. Donc finalement, la pédagogie, la vraie de l'escalade, c'est plutôt une gageure, quoi. Et du coup, c'est un challenge moi qui me passionne aujourd'hui. Puis bon, après c'est différent parce que l'escalade, c'est un côté on-off. Tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Peu importe la façon dont tu l'as franchi, finalement, ce qui compte, c'est d'arriver au bout et d'avoir respecté les règles du jeu. Mais il n'y a pas de critères d'esthétique. Alors que dans la musique, c'est plutôt la magie de l'instant qui fait que... Voilà. Mais ça, on le retrouve aussi, le côté magie de l'instant.
quand ça grimpe fluide ou quand on joue fluide, etc. Là, il y a quelque chose de vraiment très proche. Et avec la musique, c'est plus difficile parce que tout le monde écoute de la musique, on sait ce que c'est que la musique qui va bien. Et puis quand on commence à jouer, on a du mal à produire quelque chose de sympa à écouter, on va dire. Quand tu débutes en escalade, tu as déjà du plaisir. Tu es déjà en train de faire de l'escalade. Et je pense que tu vis intérieurement quelque chose de presque aussi intense que quelqu'un qui grimpe depuis longtemps et qui fait quelque chose de nettement plus dur. Cet esprit de l'escalade un peu ariégeoise, j'ai envie de la faire partager justement à un public le plus large possible, quoi, parce que ça fait partie de l'esprit de partager justement. Voilà quoi.